Donc voilà, on va tranquillement faire cette petite course. Là où on a le pied d'égalité, c'est qu'on a tous les deux pas roulé cette semaine sur ce circuit avec cette voiture. Et on n'est pas dans la même session. Bon, c'est un peu le problème, mais d'un autre côté, ça va permettre d'avoir des yeux différents et vous aurez des yeux différents, pardon, et vous aurez donc deux vues différentes, vu que vous aurez ma vue sur cette session et la vue de Maxou sur sa session à lui. Voilà. Mais le principe, c'est de passer un beau moment ensemble. Ah, tout à fait. Et j'ai pris un black flag parce qu'il n'y a pas de limiteur. Lol. Et je crois qu'on a la dernière fois qu'on a roulé ensemble, enfin la dernière fois qu'on a roulé sur ce tracé-là, c'était avec la Cadillac. Oui, d'ailleurs, en parlant de Cadillac et de cette course, c'était je crois la 14-15e, j'avais évoqué quelque chose, c'était ma volonté, notre volonté d'avoir un mon cul. Oui. Et je profite de cet épisode pour vous le montrer. Alors je remercie, c'est horrible parce que je m'y attendais pas, donc j'ai complètement zappé son prénom, mais je vais mettre le lien vers sa chaîne YouTube dans la description et je vais vous passer les 3 wanculs qu'il m'a fait, donc merci à lui. J'essaierai de retrouver son nom. Je ne sais plus du tout malheureusement, il va me tuer. Mais c'est un garçon qui a une petite chaîne qui fait du drift sur YouTube. Il essaie de faire aussi 2-3 petits concepts, mais il a pas beaucoup d'abonnés. Et donc voilà. Je vous passerai les wanculs bientôt sur un post Facebook et Twitter pour le remercier en bonne et due forme. Mais voilà, je voulais passer le petit message en live. Bah donc il y a Nico qui pose la question. Enfin déjà il y a Théo qui te demande comment vas-tu du coup. Eh bien ça va, j'ai fait un arrêt d'une semaine quasiment. Ouais, une semaine de YouTube. J'ai repris, j'ai mis pour la première fois mon pet dans mon playsite hier pour les 3 heures de Suzuka. En tout cas pour m'entraîner, ça s'était plutôt bien passé de ce qu'on avait fait, donc voilà, je reprends tout doucement, j'essaie de reprendre goût à ce que je fais, et voilà, pour l'instant ça va. Alors Mac, non, je suppose que ce n'est pas du drift en monoplace, faut me laisser quand même un truc que je sais faire, le drift en monoplace, hein, je suis évidemment roi là-dessus. Alors c'était quoi cette endurance de 3 heures? Il y a bien une qualif, donc on le salue si nous on regarde, et donc du coup ce que c'était 3 heures à Suzuka, avec changement de pilote, on changeait de pilote toutes les heures. Et ça a été, je pense, l'endurance la plus intense de ma vie. Ça a été génial à faire, ça a été vraiment sympa. Vous verrez sur nos deux chaînes respectives chacun de nos stints. Les informations que tu m'as données tout à l'heure ne sont plus erronées. Ah, si le rendu de cette nuit fonctionne, parce que j'ai quand même fait un petit montage pour pas vous mettre n'importe quoi, oui, il y aura VOD. D'ailleurs, il y aura VOD, on peut dire quand ou... C'est en péril de ton côté aussi. Ah non, c'est bon. Sans doute demain midi, sur la chaîne, puisque j'ai fait l'annonce il y a quelques heures. Alors, la petite épingle à gauche, là, où j'avais eu mon souci avec Lucas, tu la prends en 1 ou en 2? En première, tu fais tout le petit contexte en première. Ah ouais? Ouais. Putain, je suis en 2, moi. C'est ouf. Alors vous avez remarqué aussi de mon côté que je n'appuie pas sur l'embrayage comme je le faisais avant, simplement parce que je suis passé en auto-clutch pour l'instant, histoire de me réhabituer à des voitures avec des embrayages. En tout cas ouais, sur mon live on dit que ça fait plaisir de te voir. Bah merci, t'entendre. Ça fait du bien. Ouais, premier tour lancé, c'est parti. Okay, here comes your pareil chez moi. Voilà, pour l'endurance, tout se passe bien. De ton côté, ça sera ton stint plus les 3 heures complètes. Ouais, il y aura en fait deux vidéos. Demain, il y aura l'aventure iRacing. Et en description, il y aura le lien vers l'entièreté de la VOD non montée, pas travaillée, rien. Pour avoir les 3 heures complètes. Et de mon côté, il y aura mon stint en complet, mon stint d'une heure. Et il y aura ensuite, plus tard, mais il faudra compter, je pense, une bonne semaine tant que je fasse le montage, parce que je vais faire vraiment quelque chose de propre. Il y aura une vidéo explicative de comment on a préparé Suzuka, quel a été le matériel qu'on a utilisé, quels ont été les conseils qu'on peut donner avant et après, enfin vraiment le maximum d'informations. Je pense que ce sera une vidéo assez complète, mais qui va être assez sympa à regarder.
Surtout pour les les équipages qui veulent se lancer en endurance sur e-racing, ils pourront avoir beaucoup d'infos, je pense. Ouais, faut juste pas avoir peur. Bon, nous on était partis avec l'envie d'arriver au bout, de pas cracher la voiture. On verra si on y est arrivé demain. Oh oui, de toute façon, sur ma chaîne, ils savent déjà quels ont été les résultats. On en a parlé un petit peu, puis de toute façon, sur mon Twitter, j'en ai parlé aussi, donc... les gens sont au courant. Incroyable. Maxou, il a pas le même micro que d'habitude. Bah, en fait, c'est pas qu'il a le même micro d'habitude, c'est simplement que... là, c'est pas son micro avec lequel il fait des vidéos. C'est le micro avec lequel il parle, il me parle, par Discord. Donc du coup, le son n'est pas tout à fait le même, mais... Mais bon, c'est... En fait, d'habitude, vous m'entendez avec le son de mon côté d'enregistrement. Ici, je passe par un canal, un programme pour que vous m'entendiez chez Andy. Donc c'est pour ça que le son est un peu moins bon. Pareil, chez moi, vous entendez souvent Andy et Emric avec un petit voile sur la voix. Ça vient évidemment du fait que bah, ils passent dans un programme pour pouvoir les entendre sur le record. Donc c'est normal que je sois un peu moins fort ou un peu moins net. Mais j'ai toujours le Sennheiser, beaucoup trop cher d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien au niveau du son, j'espère, pour vous. Bah, typiquement, moi j'utilise deux micros différents. Je parle à Maxou avec le HyperX Cloud 1 et je vous parle à vous sur le live avec le beurre du M1. Donc ça fait tu que peux c'est faire pas ça. Ah, c'est ce que je fais moi. Ah, ok. Je sais pas, c'est moi YouTube, je commence, hein, je connais pas beaucoup. Je vais pas utiliser le beurre du M1 parce qu'il est trop, précis, il est trop vraiment complexe pour parler sur Discord avec. Surtout, il est chiant à manier. Mais quand je suis en live, je vais pas utiliser HyperX Cloud parce que le son micro est pas top. Allez, la fin de la qualif. Allez, pareil pour moi. Oh là, on n'améliorera pas sur ce tour-là et on va partir très très loin. On va partir 16e. 15e pour moi aussi. Bon, moi, c'est ma première course avec l'auto, hein, donc. Toujours en apprentissage. On va dire ça comme ça, même si ça reste fun, ça a beaucoup de grip et tout, c'est pas une voiture très compliquée à piloter. Honnêtement, elle est pas surprenante, on est tous au même setup je pense en plus, donc... Écoutez, je débute sur internet, donc désolé si je ne comprends pas tout ce que vous me dites au niveau de YouTube. De mon côté, j'aurais bien voulu mettre le chat, sur mon application d'internet. Je reviens et le mot que j'entends c'est chat quoi, c'est pas possible. Non, mon chat Ouais, bien sûr. Bon, vous avez la tablette qui est là. Du coup, je cherche dans mes abonnements le coin simulation en live pour toujours plus de contenu. Excusez-moi, hein, les abonnés, pour être allé chercher de l'eau, mais j'ai vraiment très très soif. Je sais ce que ça fait de parler et de pas boire pendant un moment. Ça fait qu'on a la gorge qui sèche et qu'à la fin, on n'a plus de voix. C'est ce qui est arrivé pour la première course de l'Audi TT Cup DRF Hero. Allez, du coup, j'ai le live d'Andy en retour devant moi. On est sur la grille, donc j'ai désormais le chat sous les yeux. Donc bonsoir à Théo, bonsoir à François, à Marian, à Mag. Merci à tout le monde d'être là. J'avais dit que je n'allais pas le faire, mais finalement, voilà. Et puis, je vois qu'il n'y a qu'un petit pouce bleu. On va en mettre un deuxième, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre des pouces bleus. Pouce bleu, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez filer un coup de main, vous avez ce qu'il faut dans la description. Alors que moi, je suis en train de remonter mon écran. Ça n'est pas une hallucination physique. Alors qu'on te dit, on te dit que tu manques. Mais Dimitri, je vais revenir. D'ailleurs, je suis déjà en train de revenir. Demain, vous aurez une vidéo. Ça va être un rythme un peu plus light pour la santé, mais vous inquiétez pas. Je ne vous abandonnerai pas. En tout cas, pas avant un bout de temps. Non, jamais. Vous êtes au creux de lui. ce qui m'embête, c'est qu'au niveau des standings, je ne me vois plus. Au niveau des standings, j'ai... Ah non, relative, ok. Allez, c'est parti. Green, green, green. Oh, le moteur qui démarre. Allez, c'est parti, plutôt bon départ. Right, merci pour les encouragements. Stay on the left. C'est de faire une bonne course. Clear. Car right. Et on partait dernier, hein, comme des bons bolos. Still there. Hold your line. Clear. Crois-moi que dernier en skip barber, ça fait un coup moral quand même. Mais c'est pas simple de remonter en plus. Hein. Bon, comme d'habitude, vous le savez, hein, pendant les courses, surtout les courses en road,
on évite de regarder le chat, on essaie toujours de. En ligne droite, j'essaye de jeter un petit coup, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, le cœur y est, et si, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur le chat qui saura vous répondre. Clear on the right. C'est un tout petit tir contact, très grave. Je tentais un endroit où ça ne pouvait pas passer. J'ai l'impression que la voiture va bien droit quand même. La voiture va droit. Right side. Clear on the right. Et on va perdre une place certainement. Ah non. Est-ce qu'il... Hey, non, il reste. Non, c'est bon, il laisse passer. Allez. Attention, ça sort large devant. Still there. Hold your line. On a tenté de créer 3 de lignes de front dans la ligne droite, c'était pas la meilleure idée du monde. Et il y va, on est 3 de front. C'est à qui aura les balls à l'épingle, et pour une fois, c'est moi. C'est à qui mieux. Oh non. Ça devrait être interdit cette expression en 2017. Bah, j'ai envie de dire qui l'a ramené au goût du jour. Bah c'est moi. Ramené au goût du jour ou sorti des oubliettes, ça dépend comment on voit les choses. Parce que le voilà. Truc a 20 ans quoi. Vous entendiez Pierre Van Vliet dire ça sur TF1 dans les années 90. 98 exactement, premier départ du Grand Prix de Belgique. C'est un petit peu à qui mieux. Ça va patiner à qui mieux, attention. Ah exact, c'était sous la flotte et avec le gros carambolage à la descente vers la source. Non, vers le rouge. Le rouge, ouais. Allez, il y a un gros incident devant, on va gagner deux positions du coup. Je vais être honnête, je pensais pas que c'était un tracé au plus important. Surtout en ski barbier qui est plutôt une monoplace qui est assez ramassée. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait de gros incidents et finalement il y en a énormément, c'est sur devant. Bah, la seule expérience que j'ai dans ce genre de voiture, c'est la Formula V sur Automobilista. Ah, petite voiture très sympa d'ailleurs. Qui en grosso modo est une coccinelle sans carrosserie, alors que devant moi on est à 3 de front, c'est très très chaud. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis parce que ça chauffe de mon côté. Alors là, il y a des voitures partout. On était parti, je crois, 15e, on est dans le top 10. Je crois, en tout cas, on n'est pas loin d'y être. En tout cas, si vous voulez débuter sur iRacing, c'est sans doute la voiture la plus simple, je pense, en termes d'appréhension, et elle ne vous surprend que très peu. En tout cas, pour moi, vu mon niveau, ça a l'air d'être pas mal niveau prise en main. Ça a l'air d'être un bon gros kart, quoi, c'est pas mal. Ça ne dépend pas trop, de l'appui aéro. Non, il y a très peu d'appui sur cette voiture-là. Et c'est une voiture, c'est une série qui est pour les gens qui vont acheter un petit peu de matos déjà sur iRacing. C'est une série qui est extrêmement appréciée. Vous avez vu, hein, on avait plus de 60 personnes qui étaient inscrites pour la course, qui ont été coupées dans 3 splits. Ouais, on est chez plus de 100 là. Hein. On était plus de 100 à la fin. Ouais, on était 60 le plus. Tout ça enregistré après, j'ai pas regardé. Voilà, faut se rendre compte que c'est quand même une série qui est très 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 appréciée. Surtout quand c'est sur un circuit comme celui-ci, qui est un circuit gratuit évidemment. C'est souvent du circuit gratuit hein, sur la skip, je crois que 50% est gratuit au moins. Oui, c'est à peu près. C'est 50%, c'est une fois sur deux. Mais je vous avoue que même quand c'est un circuit payant, il y a quand même beaucoup de monde. Still there, hold your line. Clear. Voilà, c'est une très bonne entrée en matière déjà dans le jeu parce que la physique d'Iracing est quand même là. Et c'est aussi une très bonne entrée en matière dans la monoplace. Moi c'est la 5 ou 6ème semaine que je fais sur cette monoplace là et c'est toujours un plaisir de rouler avec cette voiture. Une voiture qui est très, très agréable à prendre en main. Et pas vicieuse. Pas du tout. Quand tu passes la vitesse. Right side. Kick to the left.
faut vraiment forcer ou faut vraiment être un peu en dérive pour avoir du mal, mais sinon la voiture se tient plutôt pas mal. Alors on entame le cinquième tour, je pense que chez Maxou va être opéré la même chose. Yep. Grosse bagarre chez moi pour la 9ème place. Avec un garçon motivé, mais propre, il est plus rapide que moi en ligne droite. Mais c'est très fun. Alors que de notre côté, on a plutôt bien commencé notre course, on a bien évité les accidents. On est parti 17ème, on est actuellement 8ème, on a bien remonté. Mais c'est surtout, il faut l'avouer, c'est surtout grâce aux incidents. Ça fait partie aussi du business hein, de gérer les accidents. Ouais. C'est exactement ce qui se passe sur la course que vous verrez demain et que vous avez vu pour les gens chez Maxou, vous avez vu déjà depuis un petit moment. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est vraiment gérer les incidents de course, essayer de pas trop être dedans. Ou se mettre dedans. Ou se mettre dedans, évidemment. Et puis voilà, faire des relais assez propres. Bah là en gros c'est la même chose, hein. C'est vraiment essayer de garder la voiture en place. Après le reste, bah tout seul. Car on your left. Stay on the right. Still there. Clear. Il y a une chose à réussir à plutôt bien gérer sur cette voiture-là, je le dis pour Maxou évidemment et puis pour les gens qui sont là, c'est le freinage. Ça bloque mais ça va encore. C'est pas difficile mais faut savoir comment le gérer, c'est assez facile de bloquer les freins. Et bloquer les freins sur une voiture comme ça, ça veut souvent dire rater son freinage, donc c'est assez important d'avoir un bon freinage. Ça va, la piste est encore large, c'est arrivé un petit peu trop vite. T'as encore quelques mètres pour sauver ta peau. Après il y a beaucoup de sous-virages mais ça vient du fait qu'il y ait peu d'appui et puis des gommes qui sont pas tant que ça en même temps hein. Assez serré. Ouais, il y en a un peu quand même. Bon ça va. Moi je sais que j'accélère beaucoup en virage, en sortie de virage, et on sent rapidement que la voiture part à l'extérieur. Puis on a peut-être pas le même grip sur la piste non plus. Hein. C'est possible aussi. Que moi honnêtement là j'ai l'impression d'être sur un time trial avec 2-3 personnes autour de moi. Pour info je suis parti 15, je suis 10 hein. Pour ceux qui se demandaient un petit peu. Mais ça se bat bien, c'est vraiment agréable comme course. Le point de freinage pour moi à la fin de la ligne droite c'est les 3 cônes. Ah moi c'est les deuxièmes. C'est les deuxièmes, t'arrives à freiner plus tard. À peu près je pense, entre les premiers et les deuxièmes, ça dépend de la confiance que j'ai dans la voiture. Sort large devant pour Ronald Rasmussen. C'était un très bon pilote Rasmussen, mais je sais pas ce qu'il est devenu. Rasmussen, je me rappelle parce que c'est un coureur cycliste. Exactement, aussi. Il avait la particularité d'être évidemment dopé. Voilà. Bah, la particularité dans le cyclisme serait de ne pas être de. Incroyable. Je plaisante évidemment. Salut tous ceux qui suivent le Tour de France sur la chaîne d'Andy Wheeler. Merci à tous. au moment où tu sortiras cette vidéo, sera très certainement terminé. Ah oui, à ce point-là. Ah bah ça se finit le 21. Le 23. Et demain, si vous allez sur Twitter, n'oubliez pas, hein, bon anniversaire Andy Wheeler. Ah oui, c'est mon anniversaire demain, le 17 juillet. Le 17 juillet. Parce que je te vois en gros fight sur le live. Parce que moi j'ai la caméra interne. J'ai oublié que le bouton sur lequel j'avais le micro avant, c'est maintenant le bouton pour éteindre mon moteur. Voilà. Ah oui, il nous l'avait déjà fait hier celle-là. Enfin. C'est ça. Ah non, mais c'était en changeant mon TC, j'ai coupé le moteur deux fois en une. Voilà. Ce qui est toujours rassurant d'ailleurs quand tu passes la voiture à un mec qui sait pas la redémarrer. Je plaisante. Enfin, vous allez voir que demain, moi, la fin de mon relais, elle était aussi un peu angoissante pour 30 cm. Oui, c'est ça. Pour rien du tout, tu nous as fait perdre un peu de temps. Mais je pense que tout le monde a perdu du temps dans ces relais. L'important, c'est de ramener la voiture au box. Et vu le résultat qu'on a fait, je pense qu'on n'a pas rougi. Non.
Surtout pour prendre 0,17 ouais. de SR, hein, c'était très bien, alors que vous faites un time trial, vous en prenez 30. Enfin, bref, passons. Alors, Théo qui dit, je sais pas trop quoi m'acheter après le PC et le volant, j'hésite entre toi, PA et TH8A. Bah, si tu hésites entre les deux, c'est évident qu'il faut prendre le T3PA. Parce que acheter un TH8A et pas avoir de pédalier 3 pédales, ça sert à rien. Et acheter un pédalier 3 pédales sans TH8A, c'est plus logique parce que. C'est. Oui. Bah, ça reste plus logique parce que t'as quand même un pédalier de bien meilleure qualité que celui du T150. Pas faux. C'est celui du T150, T300, enfin tout le bordel, c'est de la merde. Tu vieillis demain, alors le bizutage. Il y aura pas de bizutage, mais oui. J'aurai 22 ans demain. Incroyable. 22, je suis un vieux con moi dans l'affaire. Hein. 25, le vieux. Même notre ami Kawa et même sur YouTube, hein. Peut-être qu'avec Partaille, on doit être les plus âgés. Hein. Avec Wall Stark peut-être. Je crois que Wall il doit avoir 27 ou 28 si je dis pas de bêtises. Du chance, ouais. Mais toi t'es de décembre ou de novembre, c'est ça? Ouais. T'es une fan de série. Je suis une fan de série, ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme les. Enfin, je vais pas dire de mal parce qu'on connaît des gens qui sont nés en début d'année, mais. C'est oui, un peu voilà. Comme les consoles Day One, vous savez, c'est jamais très bon de l'acheter tout de suite. T'attends la première série où ils corrigent les bugs massifs. Ouais, ou t'attends, voilà, t'attends les soldes de fin d'année. Les soldes de Noël pour avoir une manette en plus, histoire de dire que c'est pas trop cher, quoi. Ah là, ça va. Non, pas entre les deux, mais quelque chose à la place. Ah, quelque chose à la place. Un bon écran. Un SSD pour e-racing, ouais. Même si c'est pas forcément ultra utile, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ah, si ça te fait pas rater une qualif pour une course de 3 heures, ouais. Ça peut être intéressant. Après, oui, un bon écran. En sim racing pure, c'est vraiment des trucs en plus. Un écran de dashboard, un écran 7 pouces, mais c'est vraiment pas ouais. utile. Alors, ça, vous embêtez pas, hein. Vous allez chercher un vieux smartphone Android. Ouais, voilà, c'est un smartphone Android. Bon, c'est vrai que j'ai mis de l'argent dedans parce que je voulais pouvoir mettre une application de PC. Mais si vous voulez simplement une application Android, un smartphone tout simple ira très bien. Avec un RS Dash par exemple. Mais toi, tu as le Z1 dashboard, c'est ça? J'ai le Z1 dashboard sur PC qui est payant, mais qui par contre, c'est le. En plus. À e-racing, c'est peut-être le meilleur dashboard qui existe. Par contre, il coûte 15 balles. Faut le savoir. Et si vous voulez pas raquer pour un bon dashboard, il y a toujours le Joel Racing dashboard aussi. Ouais. Mais qui là est visuel. Donc là, si vous avez déjà un triple screen par exemple, vous voulez utiliser un petit peu de la partie gauche ou droite de votre écran, ça peut être sympa de mettre les timings. En fait, sur e-racing, c'est surtout température, forcément, usure des pneus et consommation de carburant. C'est les trois informations qui vous manqueront le plus avec l'overlay de base d'iRacing, je pense. Que même les écarts et tout, c'est pas trop mal géré encore. Pardon, je me suis arrêté net, mais j'étais en plein freinage. Alors, Théo qui dit j'ai déjà un Yamaha 24 pouces. 24 pouces pour du sim racing, je vais avouer, c'est peut-être un chouï petit. Oh, on avait des pilotes qui roulaient en 23 pouces sur un portable, hein, ou en 17. Hein. J'ai roulé en 17 pouces sur un portable pendant très longtemps. Excuse-moi cette question, est-ce que tu étais safety car à l'époque? Oui. Ah oui, ça explique. Au début de ma chaîne YouTube. Pensez pour ton geek. Oui. Qui nous a quitté trop tôt. Au début de ma chaîne YouTube, je roulais. J'avais mon PC portable pendant assez longtemps d'ailleurs. Quand même 10 secondes des 9 premiers, hein, c'est chaud. Donc ouais, pour du matos sim racing, de toute façon j'essaierai de faire une vidéo, peut-être un racing en iRacing ou un truc dans ce style là. J'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment. Enfin, quel est le matos à utiliser ou quoi. Alors c'est
OK mec 71 si j'ai bien lu, j'espère que oui. Salut les gars, faut-il un bon PC pour faire tourner e-racing? Merci. Alors s'il faut un bon PC pour faire tourner e-racing, pas forcément. Parce que c'est un bonne connexion en plus. Voilà, c'est un jeu qui est très bien optimisé, donc il va s'adapter à la config que tu as. Si t'as pas forcément une super config, il va s'adapter. Après, ce que par contre je peux te conseiller d'avoir, c'est comme l'a dit Maxou, c'est une bonne connexion. Parce que franchement, surtout que les. Y a quasiment. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun serveur en France, ça c'est sûr. En Belgique, encore moins. Attention à ce que Europe, tu dis. En Europe, il y en a très peu. Je crois qu'il y en a un en. Espagne, je crois, non ? Ouais, enfin, il y en a vraiment très très peu. C'était en Angleterre, je crois, aussi, pour des raisons d'Europe et aussi. Des raisons légales, je crois. Ouais. Et voilà, il y en a très peu en Europe, ils sont surtout aux États-Unis. Et aux États-Unis, déjà, tu prends plein la gueule à cause du ping qu'il y a entre les États-Unis et la France. C'est déjà 100, enfin, hein, 100 de ping. Quasiment, ouais. Ah oui, d'ailleurs, ouais, voire plus d'ailleurs. Donc, ce que je te conseille, voilà, c'est d'avoir une très bonne connexion. Je pense que c'est la bonne chose à avoir. Salut, Lu Scorpio. Salut, Lu Scorpio, et merci pour ton message que tu avais laissé sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours de cela concernant l'arrêt, en tout cas la mise en pause. Ok, donc en fait, tous les abonnés que j'ai, c'est les tiens aussi. Bah, pourquoi non. Pas. Pourquoi pas? Non, vous savez que je veux dire. Tu sais, je ne fais pas de la traite d'humains, hein. Les abonnés n'appartiennent à personne. Hein. Allez! Si un jour t'en as 5000 et qu'il y en a 1000 qui viennent de chez moi, je serais content, hein. Crois-moi. Oh bah, j'en ai 680, il y en a 680 qui viennent de chez toi donc. mais non! T'as des gens qui viennent du cyclisme aussi, attends. Ah, il y a quelques personnes qui viennent du cyclisme. Parce que si vous venez pour le cyclisme à cause ou grâce à moi, comment vous dire que nope. D'ailleurs, je suis très content. Enfin, j'en parle rapidement parce qu'après Maxou dans sa vidéo, ça va être un peu chiant, mais je suis très content du. Tu es chiant de base, hein, donc. Oui, voilà. Comme mon casse-couille déjà de base. Non, je suis très content de voir qu'il y a certaines personnes qui aiment pas le vélo ou qui aiment pas le sim racing, qui viennent. Enfin, qui viennent à l'arme. Je suis d'abord un abonné d'Andy car il me follow sur Twitter. À la bonne heure. Donc voilà, par exemple, il y a certains de mes abonnés qui sont abonnés pour Sim Racing, qui connaissaient pas du tout le jeu PCM, et qui sont. Enfin, je vais dire qu'ils sont tout amoureux, mais voilà, qui suivent, et ça me fait extrêmement plaisir quand on voit des choses comme ça. Ça veut dire que ce que je fais est un peu intéressant quand même, je suis toujours très content de ça. You got a slow car on the left. Alors on répond pas sur Messenger, ah bah on peut pas trop, on est en train de rouler. Il peut se joindre à l'appel s'il veut. Bah non, je pense qu'on s'appelle que tous les deux là. Ah. Ah bah après Emric alors. Ouais. Peut-être pour l'Oval, si tu veux regarde un petit peu. Après on fera sûrement une course en Oval avec j'espère la Dallara, parce qu'elle est à Phoenix et j'ai pas encore fait de course à Phoenix avec cette voiture. J'en ai fait une juste avant. Ouais, j'ai entreaperçu, oui. Ça a été dur. Alors que pour info, chez moi, on est dixième, hein, s'il y en a qui s'intéressent, puisqu'on a un gros accrochage qui a été enregistré devant nous au général. Donc, on monte neuvième. Et il nous reste 4 tours, je crois. C'est ça, 4 tours. Il reste 4 tours. Pour l'instant, pas un off-track, rien du tout. Ah bah, l'ambiance que je donne sur les lives PCM le midi, c'est toujours une ambiance, je vais pas dire PMU, mais voilà, on papote. Mais c'est un peu l'esprit aussi, c'est avant tout un sport populaire le Tour de France, hein. C'est le principe, hein. Sans dénigrer nullement, hein, mais je trouve que le Tour de France c'est quand même un des rares sports aujourd'hui où tu peux voir tes idoles sans payer un centime, quoi. Je pense. C'est le sport populaire de base en France et même en... Je veux dire en Europe peut-être. En Belgique aussi, hein. Ah bah en Belgique c'est un sport qui a, tu sais, c'est un sport qui est très aimé avec. Bien sûr, avec Eddy Merckx. Bien sûr. Et les classiques flandriennes. Et même avec vous avez quelques beaux cyclistes belges. Ouais, c'est. Ah beau, je ne sais pas. Si tu prends l'exemple de Tom Bonnen et de
Et de Philippe Gilbert, on a fait plus séduisant, je pense. Ah, oh, ça va. Ah, vous, vous en avez des classes, hein, en France. C'est qui la révélation du Tour cette année? Je crois que j'avais entendu Pinot, je crois, qui est un nom que j'avais jamais entendu avant. Cette année, cette année, il y en a deux niveau français. Il y a Warren Barguil pour pour la grimpette, qui est vraiment une révélation parce qu'il avait fait un peu de la merde en boîte avant. Je m'étais arrêté à Pierre Roland, moi. Pierre Roland, qui est aussi un bon coureur, qui est un très très bon grimpeur. Et après, au niveau du général, ça va être Romain Bardet. Ouais, Romain Bardet, ouais. Pinot cette année, en fait, j'explique rapidement pour les gens qui suivent pas forcément. Pinot, c'est un grimpeur, c'est-à-dire que c'est un mec qui passe très bien les bosses, qui est un peu moins bon pour le reste. Et cette année, en fait, il a choisi de faire deux tours. Il a choisi de faire le tour d'Italie, le Giro, mm-hmm. et ensuite de faire le Tour de France. Il y a très peu d'écart entre les deux. Oui, il y a trois semaines, quoi. Il y a seulement quelques semaines. Et quasiment tous les coureurs qui ont essayé de faire les deux, ils sont complètement à la ramasse sur le Tour de France, en fait. Et cette année, il monte beaucoup aussi, le Tour, je pense. Il y a beaucoup de montées comparé à d'habitude où c'est... C'est un tour qui est très spécial cette année, parce que c'est un tour qui a déjà peu de contre-la-montre. Ouais. Contre-la-montre, c'est en fait, t'es tout seul et tu roules pendant des distances qui sont assez courtes, c'est entre 5 et 50 km à peu près. Et en fait, il y a très peu d'arrivées d'étapes, la fin d'étape au sommet. Il y a souvent une descente après le dernier col, et ça fait que c'est un tour qui est assez technique. Okay. On nous dit aussi Lilian Canmejan dans le chat, qui est aussi un... c'est pas vraiment une révélation en tant que telle, vu que ça reste quand même un très bon coureur. Il a gagné deux fois le classement de la montagne sur Paris-Nice. Très bon coureur. Ben voilà, si vous voulez, on va quand même pas... On va pas pouvoir le live pour ça, si vous voulez suivre un petit peu et qu'on parle un peu de cyclisme, n'hésitez pas à venir sur mes lives tous les midis jusqu'à la fin du tour. On parlera un peu plus de ça en détail. Non, puis c'est bien aussi d'entendre parler d'autres sujets. C'est peut-être bête, hein. Alors ça s'y prête pas, effectivement, dans une course iRacing, hein, on est très sérieux et concentré, évidemment. Mais dans des courses comme ça, on peut se permettre un petit peu de discuter d'autres sujets. Et ça montre aussi qu'on n'est pas intéressé que par le sim racing. On essaie de se cultiver, d'avoir un œil sur l'actualité, le sport, etc. aussi en général, donc... C'est pas mal, alors que moi j'ai derrière moi un pilote qui me revient dessus mais qui est en retard. Je suis 8ème hein, finalement. Et je vais entamer mon dernier tour. Je pense que tu dois pas en être loin. Oui, je vais entamer mon dernier tour aussi. J'ai pas trop de lag par rapport à ce que tu vois sur le live. Salut à toutes les personnes qui ont rejoint. Yep. Malheureusement, je suis pas tous vous citer parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui, mais voilà, bonjour à tous. Titana, il peut pas enchaîner plusieurs tours avec ça comme ça. J'ai raté mon freinage, j'ai pas pu défendre sur lui. Puis bon, avec le nombre de fois où il a attaqué, c'est jugé. Il y a aussi une justice en fait qui dépasse, donc pas de problème. On va quand même retenter quelque chose au cas où, mais je pense que c'est un peu mort. Ah, sorti large. Ah, on prend notre premier off-track, c'est dommage. Pour l'instant, j'ai rien, mais j'ai très très peur. J'ai un garçon derrière moi qui est 15ème. À une demi-seconde et qui se montre très 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 convaincant. J'ai un peu peur de perdre des pneus sur la fin. Ça va, franchement c'est vraiment une très très bonne série. J'avais jamais roulé en Skip Barber, je l'ai acheté juste avant la course. Et honnêtement, c'est une voiture très 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 sympa. La saturation du micro? Qu'est-ce qu'il y a de la saturation du micro? Ah, Max! Ah! Je suis trop dans les levels. C'est peut-être aussi que ton son sur mon live est peut-être un peu un chute trop fort. Ça dépend, peut-être que tu m'as mis du gain aussi sur Discord. Ben voilà, c'est fait. Good race everyone, thanks. Et on finit 8ème nous. Great job, you did really well. Ben on va la ramener quand même. Donc finalement, on termine 8ème en étant parti 15ème je crois, et en ayant le dossard numéro 16, donc voilà un petit peu. Une bonne course, je sais pas, pour toi. C'est pas la course de ma vie. Non, pareil. Je partais avec le numéro 5, donc j'aurais pu faire largement mieux.
mais il aurait fallu que je... Enfin, plus d'entraînement en amont, et je pense qu'on aurait fait un meilleur résultat. Après, c'était le mieux que je pouvais faire tout de suite, perso. Mais le combo est sympa parce que la voiture n'est pas limitée par ses capacités, la piste n'est pas trop rapide, trop grande, la ligne de droite est sympa, t'arrives quasiment au bout de la cinquième et tout, donc c'est vraiment pas mal, honnêtement, c'est un joli combo, bien plus sympa que la Cadillac que vous avez pu voir par le passé. J'ai hâte de voir cette petite bombe sur une piste comme Brands Hatch par exemple, peut-être sympa. Alors on va aller chercher Emeric, qu'en penses-tu mon cher Andy ?